On a fait le premier mandat ensemble. Je continue par dire, on me pousse à prendre une position qui sera plus radicale. Je n'ai pas peur de la boue. Il y a des hommes politiques qui voudraient manipuler notre organisation. Et j'ai dit non. D'ici, je lance un appel solennel à l'État de Côte d'Ivoire qui ferme les yeux sur des hommes politiques qui voudraient manipuler notre organisation. Si demain, il y a des turbulences, qu'on n'accuse pas Cambou. Parce que je ferai face à tout ce que les gens sont en train de s'aimer. J'ai fait une conférence de presse où j'ai évoqué qu'il y a des élus qui tentent de manipuler notre organisation et je refuse. Mais comme tout le monde fait la soupe aux oreilles, alors on va aller dans la boue. Désormais, de cette position, je serai obligé de prendre une position plus radicale. Je vous engage à vous mettre dans une position plus radicale désormais. J'ai fait des conférences pour annoncer ce que les gens préparent. Mais quand les gens ferment les yeux sur ça, je serai obligé de prendre une autre position. Personne en dehors du système de la FESI ne peut maîtriser la FESI. Je ne peux pas accepter. FESI, soyez à l'écoute. On vous donnera une date. Ça peut même être aujourd'hui où j'irai faire un meeting dans les deux cités d'Abobo. J'irai faire un meeting dans les deux cités d'Abobo. La vie, c'est un choix. Vous avez vu ma démarche depuis que je suis arrivé à la tête de l'organisation. Les réformes qu'on fait. Comment des gens voudraient que des gens qui ne sont pas des étudiants puissent être à la tête des sections? Mais quand on refuse et qu'il y a des gens politiques qui soutiennent cela et qu'on fait la conférence pour décrire cela, si rien n'est fait que ça continue, alors on me pousse dans une position plus radicale. Je suis très jeune, je dis en 2 ans ce que je vais faire, ça va toucher toute ma vie. Donc je n'accepterai point que ce soit puisse salir ma vie. Je voudrais qu'un jour, quand mes enfants seront en train de se boigner, quand on les va passer, on dit voici les enfants d'un homme. C'est le message que je vais vous transmettre. Peut-être même d'ici, j'irai à Gobo. Je suis seul là-dessus. Les gens ne comprennent pas. Les gens doutent encore sur la puissance de notre organisation. Mais cette puissance, j'ai dit, elle doit incarner les valeurs citoyennes. C'est pourquoi je combats trop dans nos rangs. C'est pourquoi je dis les étudiants ne doivent plus s'inscrire dans la vente illicite des chambres. C'est pourquoi je dis je mets ferme à la ponction sur la bouche. C'est pourquoi je dis on doit combattre les inscriptions pédagogiques. C'est pourquoi je dis nous devons respecter les lois de notre pays. Si malgré tout ça, il y a des gens qui s'opposent, cela voudrait dire que ces personnes-là ne voudraient pas qu'on respecte contre un citoyen. Si elle a sous l'oreille, alors...